Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo exceptionnelle dans ce cadre exceptionnel parce qu'en fait la forêt des Landes, pour moi j'adore ça, enfin la forêt de pins sur la partie sud-ouest de la France, vous l'avez compris, j'habite vers Bordeaux. Et aujourd'hui, je voudrais revenir à ce que j'ai diffusé sur mon profil Facebook Damien Delemarle, où en fait j'ai annoncé que TF1 m'avait contacté pour un reportage sur l'Australie, où ils recherchaient des expériences. C'est vrai que ça fait rêver, recevoir un tel message d'une journaliste. Au départ, je croyais que c'était un canular, et en fait, la personne, je l'ai appelée, on s'est entretenu, et en fait, c'est vraiment la réalité, ils vont faire un reportage sur TF1. Pour vous résumer ce qui s'est dit avec la journaliste, ils recherchent une personne qui part en Australie dans la période mai-juin, qui part bien sûr donc en visa vacances Australie. Et en fait, l'objectif de ce reportage sur TF1, c'est de suivre la personne de A à Z, donc c'est-à-dire l'arrivée à l'aéroport, les démarches administratives et surtout la recherche du travail en ferme. C'est ce que j'ai expliqué hier dans ma vidéo sur ma chaîne YouTube, où en fait l'objectif c'est de montrer la difficulté, la réalité du terrain. Donc je me suis entretenu avec les journalistes, je lui ai expliqué que c'était pas du tout facile de trouver du travail. En fait, j'espère qu'ils vont pas du tout fausser la réalité, que c'est pas le monde des bisounours. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo, il n'y a rien de facile en Australie. Avec de la motivation, de la détermination, vous allez forcément trouver quelque chose, vous allez forcément gagner de l'argent et ça va forcément bien se passer. Il faut juste s'arracher, être un minimum patient, surtout avoir un bon mental. Ouais, un peu de chance quand même. Pour la contacter, c'est très simple, rendez-vous dans la description de ma vidéo. Il y a le nom, le prénom, l'email, vous vous présentez en présentant bien sûr votre projet, qu'est-ce que vous allez faire en Australie, dans quel cadre, avec lequel visa, dans quelle ville d'arrivée. Et après, il n'y a plus qu'à. Je vous souhaite vraiment bonne chance. C'est une énorme opportunité pour certaines personnes, ceux qui veulent aller à la télé. Moi, personnellement, j'en ai toujours rêvé, j'espère que ça se produira. J'ai eu un article récemment dans les Nouvelles-Calédoniennes où voilà, j'avais mon premier article dans la presse. Comme on dit, il faut bien commencer un jour. En tout cas, faites-vous plaisir, j'espère que ça aboutira. Si vous êtes dans la région de Bordeaux, n'hésitez pas à me contacter, on pourra aller prendre un café ou prendre un verre. Franchement, ça ferait vraiment plaisir de pouvoir rencontrer tous ces backpackers. L'objectif, c'est toujours de rester accessible, rester humain et surtout vous aider gratuitement comme je le fais depuis 2012. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube et on se retrouve à très bientôt pour des prochaines vidéos. Salut les amis!